Bonjour et bienvenue, c'est Petit Shunoda NC. J'espère que ce petit timelapse vous aura plu. Aujourd'hui, c'est un build que vous avez jamais vu, un genre que j'ai jamais fait sur YouTube. En revanche, que vous avez déjà vu sur Instagram si vous avez l'occasion de me suivre sur Instagram. Mais c'est du format très très court, donc c'est un peu moins intéressant. Là, c'est un format un peu plus développé, on va pouvoir un peu approfondir le sujet, mais c'est un genre très très fantastique. J'étais tombé sur un screen, sur une image sur Pinterest, et j'avais trouvé une maison qui était absolument magnifique, ultra fantastique. Je me suis dit que je voulais beaucoup, très fortement m'en inspirer pour la réintégrer dans Minecraft, et je trouve que le rendu final, très honnêtement, est super. On est sur quelque chose qui est vachement original, que j'ai travaillé avec des poteaux très très épais. Hein, on est sur du double poteau pour du double maintien, parce qu'on est sur quelque chose de très grand, avec mon toit toujours en pente, parce que j'adore ces toits en pente, très simple à faire, et ma petite rivière sur le côté en mode ultra réaliste. Et franchement je suis vraiment vraiment convaincu du résultat. Instagram a été convaincu du résultat, puisque la vidéo a très très bien marché, étonnamment. Comme quoi, sur Instagram, c'est quand même plus simple de buzzer que sur YouTube, hein. Enfin, de buzzer à mon échelle, hein. D'avoir de la visibilité que sur YouTube, et c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un build que j'ai voulu faire ultra fantaisiste, avec bien sûr un toit ultra massif. Vous noterez que les deux toits de chaque côté là sont asymétriques. On n'est pas sur un toit symétrique de chaque côté. On est sur un toit qui est un peu plus bas côté intérieur que côté extérieur du bâtiment. Je trouve que c'est intéressant comme petit ajout. Et mes plantes, mes livres qui donnent un bon effet. C'est une espèce d'entre-deux entre méga build entre guillemets et grosse mansion. Et je trouve que le résultat est vachement bien. Enfin, franchement, le résultat rend super bien. J'adore ces toits là. Ce genre de toit, je trouve qu'il y a un aspect vraiment, vraiment très, très fantasy là-dedans. Et c'est des toits que vous m'avez vu réutiliser assez souvent dernièrement, notamment dans Anoria Town. Où est-ce que je l'ai utilisé? Je crois que c'était pour la prison, dans ce secteur-là. Non, c'était pour la tour, la tour de la North Gate, de la porte du nord. Enfin bon, voilà, c'est un truc que j'aime bien, je trouve que ça rend super bien. Ça fait penser un peu à un chapeau de sorcière, et je trouve que le délire est vraiment, il y a vraiment des bons bails. Ensuite, pour le reste, on est plutôt classique. J'ai fait une grosse cheminée. Bah là, vu que je faisais une mansion, j'ai travaillé sur une échelle beaucoup beaucoup plus importante, et c'est pour ça que forcément j'ai une cheminée qui est plus imposante. J'ai des toits qui sont plus larges, mais après, en termes de proportions, elles sont toutes bien gardées. Donc dès lors que vos proportions sont bonnes, votre build est bon. Après, l'intérieur, je vous avoue qu'il n'a pas été fait. Mais alors, pas du tout, si je vous le montre. Il y a de la place, hein. Il y a de la place à aménager. Mais je vous avoue que j'ai pas du tout la foi, parce que c'est pas mon truc, hein, de faire les intérieurs. J'ai pas du tout la foi d'aménager cet intérieur là. Mais ça pourrait être vraiment quelque chose. Il y a un fort potentiel, quoi. Ça pourrait vraiment être quelque chose à faire qui est intéressant. Enfin, bon, voilà un peu pour cette construction. Je sais plus trop quelle difficulté j'ai eu avec cette construction, parce que fondamentalement elle est pas très dure. Elle est même assez simple à réaliser, c'est juste qu'il faut faire attention à l'agencement et à tout. La tour est très simple. J'aime bien ces petites livres, c'est un détail tout con à mettre sur un build, les petites livres comme ça en base. Mais je trouve qu'il y a un aspect, je sais pas, je trouve que ça meuble très très bien la construction. En plus, ça apporte un petit côté verdure qui vient vraiment casser le côté très symétrique de la construction. Mais bon, voilà, grosso modo, après c'est assez simple, hein, comme build. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de votre ressenti. Faut que je vous mette la carte à télécharger. Je vais vous prendre cette petite portion, je vais vous mettre la carte à télécharger. D'ailleurs, ça me fait penser,
Est-ce que vous voulez savoir et apprendre à faire ce genre de rivière? Parce que je trouve que c'est vachement bien. Le rendu de ces rivières est tellement bien que j'en mets partout. Honnêtement, j'en mets partout. À Doria Tarm, la dernière rivière qu'on a faite, elle était comme ça. Vous voyez, je m'étais exercé ici à faire des rivières un peu partout. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose qui me fait délirer en ce moment. Enfin, je délirais. C'est un peu long à faire, je vous avoue, ce genre de choses. Mais le rendu est tellement bien que, honnêtement, on peut pas cracher dessus, quoi. C'est un rendu super bien. Et c'est. Si vous avez. D'ailleurs, est-ce que vous avez une idée un peu de comment se fait? En vrai, c'est très simple à faire. C'est juste que ça prend un peu de temps, quoi. Faut prendre le temps de le faire. Bon, enfin, voilà. C'est tout pour cette petite présentation de build. Je vais vous mettre la carte à télécharger sur mon planète Minecraft dès que je peux. Il faut juste que je récupère ce bout de construction. Ce bout de construction, c'est un petit plot. Que je détache un petit plot et que je l'upload. Comme ça, vous pourrez aller étudier un peu ça dans le détail et dans la finesse. Mais honnêtement, il n'y en a pas pour très longtemps. J'ai dû prendre 2h30, 3h à faire cette construction. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez rapide l'un dans l'autre. Enfin bon, voilà. Je sais pas d'ailleurs si je vais pas vous filer la carte. Enfin, je vais voir. En tout cas, voilà. Petite construction très originale. Je vais vous en sortir quelques-unes. Là, j'ai préparé un dessin, enfin un prochain épisode dans 2 semaines. Qui va être sur la clinique du build. A priori, c'est comme ça que je vais appeler cette série. Et on va commencer par un petit truc. J'ai une idée sur ce qu'on m'a demandé de faire. Et j'ai une très très bonne idée. Je pense que ça devrait vous plaire et que ça devrait très bien rendre dans Minecraft. En plus, il y a un côté ultra fantasy. Et j'ai hâte de le mettre en application. Très honnêtement. Enfin bon, voilà. C'est tout pour moi. C'était Petit Chinois d'NC. À la prochaine.